Bonjour à tous, moi je suis très heureux de vous proposer cette présentation du Clarimate, qui est un accessoire que personnellement j'attendais depuis très longtemps, puisque en fait il n'existait pas jusqu'ici d'accessoire MIDI capable de se connecter à une clarinette. Et donc voilà, ça existait pour d'autres instruments, mais pas pour la clarinette. Donc on a enfin ce petit accessoire qui permet justement de jouer de la clarinette complètement normalement, avec des doigtés normaux, et de se connecter à un ordinateur pour pouvoir jouer avec d'autres sons. Là, en l'occurrence, on va s'attaquer pour le fun à une chanson iconique, un peu emblématique, qui s'appelle Thunderstruck du groupe AC/DC. C'est une chanson que j'adore et qui est vraiment géniale à plein de points de vue. On va essayer de faire successivement toutes les parties, donc la batterie avec une clarinette, voilà, en jouant des notes qui vont elles-mêmes provoquer des sons de batterie, en faisant la guitare basse, en faisant les différentes guitares. Ça ouvre tellement de possibilités de création, des possibilités pour tous les musiciens qui font du studio et plus tard qui feront de la scène peut-être aussi. Donc voilà, essayons d'avancer pas à pas et de découvrir tout ça ensemble. Donc le principe du clarimate, évidemment, c'est que c'est un contrôleur MIDI, et donc qui va permettre de faire l'interface entre un instrument et l'ordinateur, et donc d'émuler ce qu'on appelle un VST, une banque de sons. Donc voilà, c'est juste un logiciel où est recueilli toutes les notes d'un instrument. Ça peut être un synthétiseur, ça peut être une guitare comme ici, ça peut être une batterie, ça peut être d'autres instruments acoustiques. Et donc là, évidemment, il s'agit de VST que j'ai acheté dans le commerce, qui sont disponibles sur Internet. Il y en a certains qui sont gratuits d'ailleurs, d'autres qui sont payants, mais après ça, c'est à vous de faire votre marché et d'écouter un petit peu tout ça. Donc voilà, en l'occurrence, là, il s'agit d'un VST de guitare, mais on peut prendre des VST de piano, on peut prendre des VST de clarinette, il y a absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez jouer du luth, si vous voulez, du clavecin. Tout est possible, et tout ça justement en jouant de la clarinette avec le clarimate. Alors pour ce projet, moi je suis parti sur une session avec Logic Pro, qui est le logiciel que je trouve le plus intuitif et le plus adapté quand on mélange des parties MIDI avec des parties acoustiques. Donc ça c'est vraiment un choix personnel, je suis sûr que les autres logiciels peuvent le faire très bien aussi, mais c'est celui en tout cas avec lequel j'ai le plus l'habitude de travailler, pour ce genre de projet crossover. Il s'agit d'abord, évidemment, de trouver les parties originales, parce que il y a des partitions. Par exemple, j'ai trouvé ces partitions avec la partie de batterie, avec la partie de basse et avec la partie lead. Mais il y a aussi pas mal de choses qu'il va falloir prendre en dictée. Et en tout cas, c'est la solution que j'ai trouvée. Et donc, voilà, toutes mes parties MIDI pour chaque instrument, donc avec toutes les parties de batterie séparées, qu'il a fallu prendre une à une avec le clarimate, c'est-à-dire le kick, avec les toms, avec la charlet, etc. Toutes les parties de guitare, donc les parties de guitare lead, les parties de guitare accompagnement. Là pour le coup la partie de chant que j'ai faite à la clarinette avec une distorsion cette fois-ci sans clarimate. Bon, après pour vraiment donner beaucoup de réalisme à la chanson, j'ai enregistré aussi une par une toutes les parties de chœur. Voilà, ainsi que la foule. On verra peut-être ça plus tard, comment j'ai pu réaliser ça. Et enfin, il y a aussi les parties, originales que j'ai réussi à trouver sur YouTube avec Angus Young et Malcolm Young, qui sont isolés et qu'on trouve très facilement sur Internet et que j'ai prises en dictée et ensuite recopiées en MIDI à l'oreille. Ok, commençons par exemple avec la batterie. Donc j'ai trouvé un kit batterie qui ressemble beaucoup à ce qui est utilisé par le batteur de AC/DC. Donc il s'agit juste de créer une partie MIDI que vous avez sous les yeux. Et ensuite, chaque instrument est associé à une note. Donc voilà, il s'agit juste pour moi qui n'avais jamais fait ça auparavant de trouver les bonnes notes pour chaque instrument. Là en l'occurrence, la charlet fermée, qui est sur un sol dièse grave à la clarinette.
voilà, qui permet de faire exactement le motif du début que je peux vous faire écouter en même temps. Voilà, juste pour vous montrer rapidement le principe des boucles. Voilà, c'est que comme dans beaucoup de chansons actuelles, en fait, il y a le même motif, la même partie qui est répétée un nombre important de fois. Donc là, par exemple, je vous montre le début de la Charlet que j'ai enregistré au début. Voilà, bien évidemment, je ne l'ai pas enregistré pendant 4 minutes que dure la chanson. Et de façon très très flemmarde, j'ai vraiment juste pris ces deux mesures. Et après, je l'ai copié-collé. Donc, CTRL-C, CTRL-V, et voilà. Et je continue mesure après mesure. Et me voilà déjà avec beaucoup plus de mesures. Voilà, le premier copier-coller, le troisième copier-coller, etc. Et voilà comment sauvegarder beaucoup, beaucoup de temps et aller beaucoup plus vite. Alors ici, on en vient à un des côtés très pratiques du MIDI, c'est qu'on peut évidemment tout transposer et tout modifier. Donc par exemple ici, pour faire le kick du départ, on est sur une note trop grave par rapport à la tessiture de la clarinette. Et donc, bah, je l'ai tout simplement fait une octave au-dessus, et après, j'ai transposé la note. Et on en arrive à avoir le kick initial avec la bonne sonorité. Mais je peux vous montrer par exemple le deuxième kick, qui est ici. Voilà, qui est en faisant un sol grave que j'obtiens directement, qui est un kick un tout petit peu plus aigu que celui du départ. Alors voilà maintenant une partie un tout petit peu plus intéressante, avec plus d'instruments et une rythmique plus développée. Je vous fais écouter ça. L'avantage de tout ça, c'est qu'évidemment, on peut faire du copier-coller et faire des boucles, ce qui gagne énormément de temps. Donc il suffit d'enregistrer 3-4 mesures et ensuite de les développer dans la plupart des parties de la chanson. Alors maintenant, passons à la basse. Là, j'ai utilisé un plugin vraiment spécifique, qui est une basse évidemment avec le doigt et non pas avec un plectre comme le bassiste du groupe. Je vous fais une petite démo du plugin. Voilà, très très belle basse qui fonctionne absolument impeccablement sur ce titre. Voilà, donc c'est évidemment pas la partie la plus excitante, puisque je peux vous la faire écouter, ça ne bouge pas beaucoup, en tout cas au début de la chanson. Voilà, on se contente de faire un... Voilà, absolument tout le début pendant 3 minutes, et ça bouge un petit peu après. Voilà, une partie que heureusement j'ai trouvée absolument toute prête sur internet encore, avec absolument toute la partition. Voilà. Alors pour la guitare principale, là, ça a été assez amusant, parce qu'il a fallu vraiment faire un travail de recherche pour trouver le bon plugin pour coller au maximum à la sonorité d'ACDC. Donc j'ai trouvé ce plugin qui s'appelle Vintage Cherry, et qui est vraiment la sonorité de la guitare. Voilà, qui est vraiment la sonorité de la guitare du groupe. Et vous remarquerez que c'est pas la bonne tonalité, parce que évidemment il a fallu le jouer au bon tempo et de façon propre. Et en fait, avec la tonalité originale, ça serait vraiment très 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 difficile à la clarinette. Voilà, sur l'ensemble du trait, je pense que j'aurais mis quelques semaines avant d'y arriver, si sans être sûr d'y arriver à la fin.
Et donc voilà, le bon côté du MIDI, c'est qu'on peut absolument transposer toutes les notes. Donc voilà, j'ai enregistré. Et après, j'ai tout remonté d'un demi-ton. Et on arrive exactement au résultat que vous avez entendu. Voilà, et une deuxième possibilité super intéressante avec l'application Clarimate, pour le coup, sans passer par le MIDI du logiciel, c'est qu'on peut transposer directement. Donc vous allez dans l'onglet son, voilà, ici, et il y a ce petit onglet transpose, et ensuite il suffit juste, voilà, de transposer comme ça. Petite démonstration. Voilà, donc très très pratique quand même pour justement arriver à jouer des passages difficiles sans forcément avoir à faire d'autres doigtés. Donc voilà, c'est très très bon à savoir, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, maintenant parlons un peu de la guitare rythmique de Malcolm Young juste en dessous. Ça c'est vraiment une des signatures de cette chanson, c'est vraiment un accompagnement absolument génial. Voilà. Et ça, en fait, ça donne vraiment, vraiment une pulsation et un moteur à la chanson qui ne ressemble à aucune autre pièce. Et donc, ça, pour l'enregistrer, bah, pareil, j'avais pas la bonne tessiture à la clarinette. Ça part sur un do dièse, sauf que, évidemment, bah, j'ai pas de do dièse à l'octave du dessous. Voilà, il me manquait une tierce. Et donc là, bah, j'ai utilisé l'app Clarimate. Tout simplement, j'ai transposé. Et il me suffisait de faire juste ça. Et voilà, et le tour est joué, j'ai pu enregistrer ma partie. Voilà, maintenant juste pour vous expliquer rapidement la suite du process, puisqu'il y a évidemment beaucoup beaucoup de clarimètres pour toutes les parties MIDI, mais pour vraiment donner toute sa pleine mesure à la chanson, j'ai fait des parties de clarinette pure, on va dire, pour la partie de voix par exemple, pour la partie de chanteur. Donc là j'ai vraiment enregistré une clarinette absolument classique. Voilà, avec un peu de grôle dans la voix, avec un petit peu de grognement derrière, on va dire. Et sur cette base-là, j'ai rajouté évidemment, comme vous l'avez peut-être vu, une reverb pour donner un petit peu plus d'espace à la partie. Et j'ai rajouté ce qu'on appelle une grosse distorsion, qui est en général plutôt pour les guitares, mais qui ici justement va donner cet aspect un peu métallique et un peu compressé à la clarinette, qui va se rapprocher un petit peu plus justement d'une guitare électrique. En l'occurrence, le plugin s'appelle Rift, et ça donne ce résultat-là. Voilà, c'est ce qui me paraissait le plus adapté pour reproduire la voix un petit peu cassée et raillée du chanteur. Alors pour continuer, tous ceux qui connaissent la chanson savent qu'au début, il y a une sorte de petite ritournelle qui est à la fois chantée sur scène, mais aussi par tout le public, qui fait... Voilà. Et donc évidemment, bah, j'étais tout seul dans mon studio à faire tout ça, il fallait donner l'impression qu'il y avait une foule. Et donc, j'ai d'abord enregistré tout seul. Voilà ce que vous venez d'entendre, mais j'ai trouvé un petit plugin sur internet très très rigolo qui s'appelle Crowd Chamber, voilà, et qui simule l'effet d'une foule en fait, et ça fait ce résultat là. Voilà, donc évidemment écouter tout seul, on se dit bah, c'est un petit peu artificiel, mais finalement dans l'ensemble, quand on le rajoute à toutes les autres parties, ça donne un résultat qui est plutôt convaincant. Et tout ça couplé à quelques chœurs
que j'ai rajouté également. Ça donne un résultat qui sera évidemment jamais au niveau de l'original, mais qui s'en rapproche et qui n'est pas du tout ridicule. Hein. Voilà, et donc en plus de ce petit plugin de Crowd Chamber, j'ai refait plusieurs fois les voix, comme s'il y avait évidemment plusieurs personnes sur scène. Voilà, j'ai d'abord utilisé celle-là. Voilà, ensuite une autre. Encore une autre. Voilà, et pour changer les timbres des voix, même s'il n'y a qu'une seule personne qui chante, en l'occurrence moi, il y a ce petit plugin absolument génial qui s'appelle Little Alter Boy, que m'a fait découvrir Maxence, et qui permet de changer le timbre des voix à travers les formants. En fait, et donc du coup, par exemple, si on prend juste cette voix-là, et qu'on la met en boucle, je vais vous montrer les différences de sonorité que ça provoque. Voilà. Voilà. Et le fait de changer ça en fait sur plusieurs parties, ça donne l'impression d'avoir un véritable chœur et d'avoir plusieurs personnes qui chantent. Alors je vous propose de faire une petite écoute de ce début de chanson qu'on a assemblé ensemble pas à pas. Voilà donc le résultat. Pour terminer, moi je voulais dire que j'étais très reconnaissant. Carbuff et Crampon, bah voilà, ça fait avancer les choses au niveau acoustique, sur les clarinettes traditionnelles, sur toute la gamme. Mais maintenant, il y a aussi un aspect technologique et on a un bureau vraiment de recherche-développement qui s'occupe d'essayer de développer la clarinette et de développer d'autres utilisations. Voilà, maintenant, on peut utiliser cet accessoire en studio, peut-être bientôt sur scène. Et ça ouvre tellement de possibilités de création et ça va tellement libérer certaines énergies et certains artistes. Voilà, je pense qu'il y a un champ des possibles énorme devant nous. Ça ne fait que commencer. Je pense qu'il y aura encore d'autres mises à jour, il y aura encore d'autres développements dans l'avenir. Et donc, ça va vraiment stimuler les artistes et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, moi j'ai hâte de participer à cette évolution. J'ai hâte de découvrir ce que d'autres artistes vont faire grâce aux clarimètres. Et je pense que l'avenir, en tout cas, sera très, très intéressant et stimulant.